Les pieds sont la partie du corps qui se fatigue le plus. Le fait de porter des chaussures fermées, de beaucoup marcher, de souffrir de problèmes d'arthrite ou de mauvaise circulation sanguine, fait que nous sentons ces gênes au niveau des pieds, que nous ne savons comment soulager. Parfois, même une douche chaude n'est pas suffisante pour les reposer. Le mieux pour en prendre soin et prévenir les problèmes comme les inflammations, les crevasses ou la mauvaise circulation sanguine, est d'utiliser des huiles essentielles. Nous vous parlerons donc ci-après de ces alliés naturels pour avoir de jolis pieds en bonne santé. Une huile essentielle de lavande. L'huile essentielle de lavande se trouve facilement dans n'importe quel magasin de produits naturels ou une parfumerie spécialisée. Ce remède agit comme un relaxant naturel et un antiseptique. Il est également très efficace pour soigner les douleurs rhumatismales. N'hésitez pas à utiliser ce traitement à l'huile essentielle de lavande si vous avez, par exemple, des oignons de pied et que vous souffrez de frottements dans vos chaussures. Il vous soulagera en effet beaucoup. Lisez également, comment se débarrasser naturellement des oignons de pied. Ingrédients: à linge en lin sec et propre, 5 gouttées d'huile essentielle de lavande. Préparation: une fois que vous vous êtes douché et que vous avez lavé et séché vos pieds, asseyez-vous dans un lieu confortable et mettez 5 gouttes d'huile essentielle de lavande sur un linge propre. Réalisez ensuite un massage sur toute la plante des pieds et des orteils, c'est-à-dire sur chaque zone enflammée. Mettez ensuite des chaussettes agréables et passez la nuit avec, en laissant le traitement agir. Le matin suivant, vous sentirez merveilleusement bien et prêt pour une nouvelle journée de travail. Lisez également, l'huile essentielle de lavande, une merveille pour la peau et pour la maison 2. L'huile essentielle de citron avec de l'huile d'olive. Si vous mélangez de l'huile essentielle de citron avec de l'huile d'olive, vous obtiendrez un tonique désenflammant idéal pour les jours où vous rentrez chez vous avec les pieds très fatigués et gonflés. Il s'agit également d'un relaxant naturel qui nous aide à adoucir les durillons, à lutter contre les infections et surtout, à reposer nos pieds. Ingrédients: 5 gouttes d'huile essentielle de citron, 40 ml d'huile d'olive, une bassine avec de l'eau tiède pour y faire un bain de pied. Préparation: premièrement, il faut faire chauffer cette bassine d'eau dans laquelle vous ferez tremper vos pieds. Ajoutez ensuite l'huile essentielle de citron et l'huile d'olive, puis détendez-vous durant ce traitement naturel pendant 20 minutes. Enfin, faites sécher vos pieds puis mettez des chaussures confortables. Vous sentirez que vos pieds seront désenflammés et détendus. 3. Les huiles essentielles d'amande et de rose musquée. Il s'agit sans aucun doute de l'un des meilleurs traitements pour la santé et la beauté des pieds. L'huile essentielle d'amande et celle de rose musquée sont par ailleurs faciles à trouver dans les magasins de beauté naturelle. Elles sont en outre souvent bon marché. Elles servent aussi pour de nombreux usages de beauté au quotidien, pour les cheveux, le visage, les mains, etc. Ces huiles sont donc idéales pour traiter les durillons et la peau sèche ou enflammée. Elles sont en effet très riches en vitamines, en minéraux et en oligo-éléments essentiels. Ingrédients: 3 gouttes d'huile essentielle de rose musquée, 3 gouttes d'huile essentielle d'amande, un linge propre en lin. Comment la préparer? Prenez une douche bien chaude et relaxante. Séchez-vous ensuite bien les pieds, puis asseyez-vous dans un endroit confortable. Une fois de plus, imbibez bien le linge propre avec l'huile essentielle d'amande et celle de rose musquée, en passant doucement sur chaque zone du pied, tout en permettant l'absorption de ces huiles. N'oubliez pas de passer sur les talons, là où apparaissent les crevasses et la peau sèche. Massez-vous également les orteils pour que toutes les articulations soient bien imprégnées, et favorisez ainsi la circulation sanguine. Enfilez ensuite des chaussettes confortables qui ne vous compriment pas les chevilles, et gardez-les toute la nuit pour que les huiles continuent à faire effet. Si vous réalisez ce traitement au moins 3 fois par semaine, vous aurez des pieds doux et jolis, parfaits pour l'été, si vous portez des sandales ou des tongs. Vous avez des callosités sur les pieds? Découvrez cette solution 100% naturelle. Vos pieds peuvent souvent souffrir de callosités qui peuvent être très désagréables. Découvrez ce remède naturel pour les éliminer. Lire plus. Let's Block ADS. Why?